Salut! Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire un café glacé maison. Donc, on va mettre... Moi, je fais toujours comme une portion plus grosse que ce qu'il demande parce que ça donne la moitié d'un verre. Donc, il demande 3 glaçons pour une portion régulière. Moi, je vais en mettre 6. Ensuite, une cuillère de crème glacée. Qu'est-ce que tu fais avec nos réserves? De préférence blanche, mais moi je mets un petit peu de choco parce que écrit j'en ai mis plus qu'une cuillère. Car le chocolat, c'est très bon, mais non. Pas pour la santé. Vu que moi, comme je vous ai dit, je faisais une portion dure parce que je suis une grosse patate. Mmh. On y est. Oh, on va mettre un petit peu de fraise ou pas? Non, je sais pas ça va. Fait que 2 cuillères. Donc, une demi-tasse de lait. Là, on avait un petit peu de lait, moi. Moi, je suis pas une fan de lait, là. Mais mettons que je mettrais la moitié. Je vais remplir le reste de ça. Fait que là, vous avez compris que si je fais une portion double, ben, je vais en mettre 2. Fait que... C'est ça ici, la réserve que je mettais dans le café glacé. Cookie, tu manges pas ta crème glacée? Ils disent de mettre 2 cuillères dans chaque portion, donc techniquement j'en mettrais 4. Fait que moi je mets ça un peu à l'œil parce que plus que vous en mettez, plus que c'est fort. Fait que on veut pas non plus se geler le cerveau, tu sais. Fait que c'est ça. Là ensuite, je vais venir mettre le cover. Power. Et de quoi qu'il faut faire, c'est crush ice. Occupez-vous pas du désordre autour là, de nettoyer, mais c'est comme ça que ça donne. De toute façon, un milkshake. J'ai mis du lait un peu pour qu'on en ait la poche. Quoi, il y a du lait dans mon là-dedans? Hein? Il y a plus de ce lait-là. Tu l'aimes plus? Ouais, je l'aime plus. Ouais, mais il goûte. C'est le mélange avec le lait d'amande que j'aime pas. J'ai mis juste un truc de d'amande. Parce que le lait me fait des sécrétions. Mais il fonctionne bien le mélange, hein? Il est vraiment bon. Bon, j'ai le temps de faire quelques questions, alors on fait ça. The last time you cried. Je sais pas. Je sais pas. Favorite, what? dream car. C'est comment? BM i8, je crois. Mais je pense que mon chum serait meilleur pour me dire. J'essaie d'avoir une question que j'ai jamais eue, genre. Pis c'est tout le temps les mêmes quand même. Encore dream job, ça serait de chanter, singer. Pis ça va arriver. Mais je sais pas quand. Probablement dans la prochaine année. Ok, m'énerve, c'est mon chat. Fait que on se revoit. Et une autre question. Une autre question. Can you sing? Yes, I can. Go on my YouTube channel. Je sais pas si ça me ferait bien en avoir autant, mais j'en ai déjà un petit peu. Mais genre plus l'été, là. J'en ai quand même. Mais autant que ça, j'ai l'air d'avoir 15 ans. Yeah. Une chanson. Yeah, I wanna dance with somebody. I wanna feel heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody. T'es comme un? Un autre. Oh, j'en fais une dernière, s'il vous plaît. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can no more. Cookie le coquillage. Salut tout le monde, je voulais juste un peu vous parler parce que dans le fond, je pense que je dois pas être la seule en ce moment, surtout dans les chanteurs, à vivre ce que je vis en ce moment. Dans le fond, je fais des covers à chaque semaine, ça va faire 4 ans bientôt, au monnaie. Puis, des fois, j'ai vraiment un buzz de comme trouver ça rough parce que les vues sont jamais égales. Et tu sais, ça c'est bien normal et tout, là, mais je veux dire, comme quand c'est rendu que tu passes, mettons, de 100 vues en une soirée puis que le lendemain, t'as encore 20 vues, je veux dire, ça peut être frustrant. Puis en ce moment, à cause de ce qu'on vit dans le... Comment moi j'appelle ça, genre la purge, là, mais dans la quarantaine qu'on vit en ce moment,
ce qui est vraiment dur pour moi, puis je pense que ça doit être le même problème pour plusieurs personnes de ce monde artistique ou whatever qui vivent dans une branche qui crée de l'art, mais vraiment, d'être toujours enfermé, ça met le cerveau sur off de créer. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Parce qu'on dirait que pour créer, moi, ça me prend quelque chose qui va enclencher ça. Puis comme de rester toujours à la maison, c'est comme rien qui me donne le goût puis qui me donne des idées pour créer, t'sais. Puis là, c'est là que je le ressens parce que, tu sais, moi, j'ai la chance de créer full. Puis tu sais, ça fait comme une semaine qu'on est en quarantaine, je pense. Ça fait-tu une semaine? En tout cas. Puis j'ai déjà fait 3 vidéos. Puis tu sais, je veux dire, c'est quand même très, très bon, hein, mais comme... On dirait que c'est comme pas assez, parce que je sais que je pourrais faire plus, c'est juste que... On dirait que je suis comme pas capable, genre, à cause que... si je crée du contenu, je serais pas fière parce que je sais que je suis moins mindée. Fait que ça va pareil, je vais le sentir, puis j'aimerais pas ça vous le montrer. Mais je voulais juste faire part de ça parce que c'est vraiment tough en ce moment. Puis là, j'écoute des émissions parce que des fois j'essaie de faire comme, ok, mets-toi off. Tantôt, je suis allée m'entraîner un peu. À la maison, bien sûr. On est allé marcher, on est allé se promener, mais comme mon cerveau quand même sur off, quand même. Fait que je voulais juste parler de ça, mais sinon, tout va bien. Je vais cuisiner encore tantôt, puis je voulais essayer peut-être une recette, fait que peut-être que je vais la filmer, qui sait. Mais sinon, on a vraiment réussi à faire plein de nourriture. Là, hier, j'ai fait une croustade. Puis tu sais, on fait des desserts, puis on s'amuse là. Tu sais, je veux dire, pour passer le temps, je pense vraiment que la meilleure idée en ce moment, c'est de cuisiner, puis de créer des choses, tu sais. Parce que sinon, vous allez trouver le temps un peu long, ou bien de suivre des cours en ligne sur des affaires. Comme demain, il y a un cours de guitare en ligne pour tout le monde, ça dure 1 heure, puis c'est coursdeguitare.ca. Puis j'ai déjà suivi des cours avec eux en personne, fait que c'est très très bon, c'est très recommandé, ils sont vraiment connus ici au Québec. Fait que je vous dirais de peut-être faire ça, c'est de 15 à 16 heures, puis moi je vais le faire. Fait que je vais juste voir c'est quoi, là. Ça va sûrement être vraiment débutant, mais ça va passer le temps, puis en même temps on sait qu'on va être une petite gang. Fait que c'est ma cool. Fait que je vais juste dire ça. Puis là, ben, je vais continuer à écouter l'émission avec moi que j'ai commencé grâce à Gloria Bella qui en parlait. Puis c'est vrai que c'est quand même bon, c'est vraiment ado, là. Mais c'est cool. Tu sais, je suis juste 23, là. Je suis pas vieille non plus. Fait que je vais écouter ça. Je suis en train de placer une commande. Puis je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai marché 40 minutes toute seule. Puis j'ai marché après un autre 40 minutes avec mon chum puis mon chien. Je suis fière de moi. Fait que là, en ce moment, qu'est-ce que je voulais dire? On est rendu quelle heure? Je vais vous tenir au courant un petit peu de la journée. Là. Il est rendu 6h40, puis on dirait qu'il est 4h d'après-midi. Je sais pas quoi vous dire. Je me sens comme si on était en après-midi. Pourtant, je me suis levée à 7h15, puis je me suis couchée à 11h30. Je voulais avoir une bonne discipline pour me lever à telle heure, puis je comprends pas pourquoi je suis pas mieux. Là, je suis vraiment désolée. Je suis pas vraiment maquillée aujourd'hui parce que, comme vous savez, je fais quand même beaucoup de... J'ai quand même beaucoup de tons quand je suis stressée, puis je suis quand même dans une petite phase de stressée, veux pas. Sans, je m'en rends pas compte, mais tu sais, elle est là quand même. Fait que là, je voulais vous montrer sur Shein. En tout cas, c'est un site comme Runway que j'ai déjà fait 2 fois des hauls. Donc, je vais vous montrer ma commande pour l'instant de quoi ça sert. J'hésite pour ce chandail-là parce que je sais pas s'il va me faire, parce que c'est pour enfants. Mais c'est sûr que, regarde, je suis allée assez intelligemment, j'ai pris la plus grande taille qui restait, donc 10 ans. Puis, je vais vous montrer ma commande, dans le fond. Oups, c'est celle-là. Ma commande ressemble à ça ici. Donc, on peut voir une bouteille avec Hello Master. Le petit plat rose ici pour ma soeur qui est enceinte. Ensuite, on a un chandail comme ça, un autre pot comme ça, un autre comme ça. Je pense que vous voyez dans quel style que j'aime. Puis, j'ai acheté ça ici, ça va faire changement un petit peu parce que ça fait longtemps que j'en veux. Fait que j'en ai pas. Je l'ai pris en large parce que, d'après moi, ça va être assez serré. Puis le fait que je vais mettre une brassière en dessous, j'ai pas le goût d'être pognée non plus parce que je sais que c'est un site chinois. Puis habituellement, les sites chinois, ils ont toujours des... Tu sais, je veux dire, les standards sont quand même plus minces là-bas. Alors, moi qui porte du médium, normalement, on a lui ici. Puis celui-là ici. Pour être bonne honnête avec vous, je peux vous dire un petit peu comment je me sens en ce moment. J'ai vraiment, mais vraiment mal à la tête. Ici, ici. Puis j'ai beaucoup de mucus. Puis ça va pas très bien de ce côté-là, je vous dirais. Je suis un peu tannée, mais je sais que c'est à cause de mes allergies à mon chien. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Je me demande juste quand est-ce que ça va passer.
Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a marché 1h30, fait que hey, c'est bon, c'est bon! Puis là, je vais cuisiner une recette, comme je vous avais parlé récemment. Alors, je vais vous filmer tout ça, et ensuite, mon chum voulait que je fasse des petits muffins, pépites de choco et zeste d'orange. Donc, on va voir comment ça y va. Fait que je filme tout ça, et vous allez regarder la recette finale, de toute façon. Donc, vous me voyez, pas super bien, mais vous me voyez. Fait que là, je suis en train de faire tout ça. Mais je sais pas si c'est exagéré. Trouvez-vous que c'est exagéré? Je sais pas. Je peux pas dire que ça se passe super bien. Je pense que les bobos, ils collent. Je pensais pas qu'ils allaient coller après ma plaque. Pour vrai, ça m'enrage un petit peu. Je voulais vous montrer les petits muffins, finalement, le résultat que ça a donné. Ça a donné ça ici. Ça en a fait 12, mais là, on a mangé un chaque, là, bien sûr. Fait que là, je l'ai comme laissé entre-ouvert parce que c'est encore un petit peu chaud. J'arrive d'une ride en auto avec mon chien parce que des fois, il faut que je sorte un petit peu ça, aller voir des gens, tu sais. Puis sinon, les petites boboules que je vous parlais, ben, je vais vous les montrer, mais là, ça a l'air du crisp pour vrai, là. Faudrait que je les transvide. Je vais les transvider. Et les petits œufs Cadbury qui ressemblent vraiment plus à des truffes que d'autres choses, mais je suis quand même assez fière. Ne jugez pas, ils sont pas très très beaux. J'ai un petit peu rushé parce que j'avais pas du sirop de maïs clair, donc j'ai pris le foncé. Puis comme qu'il avait dit, c'est quand même plus dur à travailler. Puis ouais, je le crois, j'ai rushé. Ça paraît. Tout ça, le fond. Fait que ça a donné ça comme ça. C'est comme des genres de petits chocolats durs, puis à l'intérieur, il y a comme le petit sucre glacé et tout là. Fait que vraiment bon, j'approuve le goût, approuvé, puis celle-ci approuvée, donc des petits desserts parce que des fois on a rien à faire, puis une croustade, on en a des affaires là. Ça ressemble à ça des fois, le confinement guys, ça ressemble à ça, cuisiner, engraisser et faire du gaming. Donc, ouais, très très bon. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à ma chaîne, peut-être juste en bas ici. Et on se revoit dans un prochain vlog. Bye tout le monde. Bye, bye. Bye tout le monde.